السلام عليكم. الأستاذ المساعد فرح عبد المنعم الخطاوي، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، قسم اللغة الفرنسية، مادة الاستيعاب الشفهي، المرحلة الأولى. Écoutez, on va parler du quartier. Parlez de mon quartier où j'habite. Parlez du lieu où on vit. Dans mon quartier, j'habite près du centre-ville d'une grande ville moderne. J'adore mon quartier. Ma rue est tranquille, mais mon quartier est animé. Je n'habite pas seul. J'habite avec mon mari dans un appartement. Dans notre rue, il y a des maisons traditionnelles et beaucoup d'arbres. C'est très agréable. Mais il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de boulangerie. Et il n'y a pas d'épicerie. Un centre-ville. Une ville moderne. Un quartier tranquille. Un quartier animé. Un appartement. Une maison traditionnelle. Un magasin. Une boulangerie, une épicerie. Et maintenant, pour que vous puissiez parler de votre quartier, il faut savoir tout d'abord construire des phrases avec, par exemple, le verbe habiter qui va vous aider. Je dis, par exemple, j'habite un petit quartier ou j'habite un grand quartier. J'habite dans une petite ville, j'habite dans une grande ville. La même chose pour la rue, pour la maison, pour l'appartement. On dit la même chose avec petit et grand. Mais attention au féminin et masculin. Pour décrire notre quartier, si on vous pose une question sur comment, par exemple, comment est votre quartier, décrivez votre quartier, parlez de votre quartier. Vous utilisez c'est un quartier plus un adjectif. Par exemple, c'est un quartier agréable, c'est un quartier vivant et animé, c'est un quartier tranquille. C'est un quartier bruyant, c'est un quartier joli, etc. Vous pouvez citer, par exemple, les endroits qui se trouvent dans votre rue ou quartier. Dans mon quartier, il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans votre quartier? Dans mon quartier, il y a une pharmacie, un magasin de chaussures et un restaurant. Dans mon quartier, il n'y a pas. Il y a des endroits où ne se trouve pas dans votre quartier. On ne peut pas trouver, par exemple, de métro. Dans mon quartier, il n'y a pas de métro. Il n'y a pas d'épicerie. Dans mon quartier, il n'y a pas de parc, ni de poste, etc. Les questions vous aident aussi à faire un texte ou répondre à des questions sur quand on vous demande de parler de votre ou d'écrire votre quartier. Par exemple, on vous dit et on vous pose cette question, est-ce que tu habites dans un appartement ou une maison? Alors vous dites, j'habite dans un appartement, j'habite dans une maison.
Ou par exemple, parfois on vous demande où. Est-ce que c'est dans une ville ou à la campagne, peut-être au bord de la mer? Quand on vous demande plus de détails, vous pouvez préciser encore plus. Une autre question qui peut vous aider. Vous habitez seul ou avec des amis? Vous habitez avec un colocataire? Vous habitez avec votre femme ou votre mari? Vous avez le choix de répondre selon votre état. Comment est votre quartier? On l'a dit tout à l'heure, quand on vous demande comment est votre quartier, vous pouvez répondre par des adjectifs. Il est animé, il est calme, il est joli, etc. Et maintenant, c'est à vous de parler de votre quartier. Vous êtes prêts? Merci bien et à bientôt. Au revoir.